Et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le constater, ben là maintenant tout de suite en regardant ces images, il y a eu un problème technique, donc pendant toute l'interview on était juste à côté du salon du livre, donc il y a eu énormément de bruit de fond. S'ajoute à ça en plus des bruits de vent qui ont vraiment perturbé l'interview, à certains passages même j'ai dû couper, donc j'en suis vraiment désolé mais j'ai pas pu faire autrement. Je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo où je parle de Jean-Michel Guenassia et de son dernier livre de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles, publié chez Albin Michel lors de la rentrée littéraire 2017. Donc on est là pour justement vous poser quelques questions, Jean-Michel. Comment est-ce que vous est venue l'idée justement de vous aborder ce thème? Un jour, je me suis retrouvé dans le métro à Paris, le train de nuit, en face d'une personne dont j'étais incapable de définir le seul. Je me vois, je sais quoi. Je sais qui vous êtes. Bon. Et là, impossible de savoir si c'était un garçon ou une fille. Et donc, ça me troublait beaucoup parce que je me disais, si c'est une fille, tant mieux. Si c'est un garçon, je suis troublé de voir un garçon. Donc, ça remettait en cause ma propre certitude sur mon identité sexuelle. Ça vous a intrigué. Et donc, ça m'a interpellé. Et je suis toujours resté avec ce trouble en tête. Et je me disais, j'avais envie d'aller un peu plus loin et de m'en servir comme... comme accroche romanesque. Donc on le voit dans le titre et on le recroise dans le roman, comme vous l'avez dit, David Bowie. Je voulais savoir si vous avez commencé à écrire ce livre avant la mort du chanteur, parce que c'est... Je l'ai écrit bien, j'ai commencé, j'ai même été marqué par... parce que je connaissais pas sa maladie, comme beaucoup de gens, je pense, et j'étais en train d'écouter son dernier album, qui est absolument sublime, une beauté incroyable. Et j'apprends ça, j'étais vraiment, je me suis demandé si je devais arrêter ou pas, enfin j'avais l'impression d'une sorte de viol, d'appropriation indue, et je suis resté un moment comme ça, et puis pour moi c'est un roman hommage aussi à Bowie, qui m'a beaucoup marqué, parce que j'ai eu la chance d'être jeune quand il a émergé, oui, ouais, donc de passer toute ma vie avec Bowie. À ce moment, Jean-Michel Guenassia m'a expliqué à quel point David Bowie a été inspirant pour lui. Il a passé de nombreuses journées à écrire en écoutant du David Bowie et ça l'a vraiment inspiré. Et il m'expliquait justement qu'il voulait faire en sorte que son dernier livre soit un livre musical. À certains passages dans le livre, on peut même avoir des références de certaines musiques que personnellement j'ai écoutées en lisant. La musique, en tout cas dans mon cas, m'a vraiment accompagné dans la lecture. Oui, en plus, ça donne une ambiance. Puisque tu parles de Goldman, un rôle vraiment dramatique dans l'histoire. Ça, tout à fait. Ça fait avancer l'histoire. Si j'enlève tout ce que tu parles, il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui manque. Et les personnages se servent de puisque tu parles de Goldman au niveau de la dramaturgie. On croise beaucoup de personnages et qui ont une importance... grande importance dans l'histoire, parce que l'histoire est vraiment tourne vraiment autour des personnages de leur histoire. Et je voulais savoir si vous aviez un personnage où vous aviez plus d'attachement, ou vous avez préféré créer un personnage. Moi j'aime bien, comme dans le Club d'Incorrigible Optimiste, mon héros c'est un ado, finalement parler d'ado, ça me oblige à retrouver des sensations de jeunesse. Pour moi c'est la période la plus importante de la vie. En réalité je voulais me rajeunir et retrouver la vibration d'adolescence, l'imprudence de l'adolescence. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'était quelque chose que je cherchais à retrouver, à capter l'air du temps de notre époque, sur le désordre amoureux. On n'est pas hétérosexuel. On parle d'homosexualité, de bisexualité, sans complexe. Moi, j'aurais pu raconter que sa mère est homosexuelle, vit avec une autre femme. C'est une simple famille à la normalité différente. Avec
En réalité, ils regardent la télé, ils ont une vie tout à fait normale, comme n'importe qui. C'est le regard des autres qui les dénormalise quelque part. Et je voulais parler de cette de gens qui cherchent uniquement le bonheur. Justement, le thème de l'androgynie, de l'homosexualité, de la bisexualité, c'est des thèmes qui peuvent être très tabous dans notre société actuelle, malheureusement. Et je voulais savoir si vous n'appréhendiez pas un petit peu, avant la publication de ce roman, justement de... Non, je suis surpris de la réaction. Il y a des librairies qui me censurent. Ouais. Parce que ils ont peur, bon, comme si c'était glauque ou péché. On aborde ces sujets qui sont maintenant, à l'heure actuelle, dans notre société, très présents. Tout à fait. Et justement, avec humour et légèreté. C'est la vie qui est comme ça. Oui, tout à fait. C'est la vie, indépendamment de tout jugement moral, religieux, qui nous pourrit la vie. Dans le livre, on a des thèmes puissants, la relation mère-fils, l'homosexualité, tout ça. Et on a surtout une question qui revient, c'est qui sommes-nous ? L'identité, qu'est-ce qu'on est, d'où l'on vient. Et je voulais savoir si, selon vous, ce roman, à la lecture, pourrait aider certaines personnes à justement se poser des questions et ne pas rester dans des cases. Je sais pas. Je sais pas si un roman peut aider les gens. Peut-être, dans certains cas. Je pense que c'est surtout le regard des autres, en réalité. L'acceptation du regard des... Parce qu'en réalité, je m'assume tel que je suis, chacun doit s'assumer tel qu'il est, et c'est les autres qui vous culpabilisent uniquement. Donc, c'est ce qui se passe à un moment entre la mère et le fils. Elle veut que son fils soit comme elle espère. Et lui, c'est... Donc je me suis amusé à renverser cette situation, parce que d'habitude, c'est le fils homosexuel qui n'ose pas dire à sa famille qu'il est homosexuel et donc il fait son coming out. Là, c'est l'inverse. C'est moi, ça m'amusait beaucoup. Si vous deviez décrire votre livre en trois mots, lesquels seraient-ils ? J'aime bien l'empathie dans le roman. J'essaye de réduire la distance entre le lecteur et le roman. Que le lecteur soit dans le roman. Ensuite, certainement humanité. J'essaie de faire passer l'humanité des personnages. Je ne dis pas la bonté, parce qu'en réalité, il y a des personnages qui sont détestables, qui sont mauvais, qui sont méchants, Mais je ne les juge pas. Je ne veux jamais juger un personnage. Empathie, humanité, humour, certainement humour. Aussi. Parce que j'essaie de faire passer... pour moi, le rire est un axe dramatique. Combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire le livre ? Donc, vous m'avez dit que vous l'aviez écrit il y a plusieurs années déjà. Non, c'est cette idée que j'avais en moi. J'avais cette idée et ce roman, finalement, c'est celui que j'ai écrit le plus vite dans ma vie parce que j'avais toute le fil rouge. Est-ce que vous avez déjà réfléchi auparavant ? Tout à fait. J'ai commencé par écrire la fin, c'est-à-dire j'ai commencé par la dernière scène. Donc je ne révélerai pas la dernière scène du roman, qui est extrêmement importante, beaucoup de théâtre final. Oui. Et c'est un roman dans lequel très très vite les personnages sont devenus autonomes. C'est-à-dire que tout d'un coup ils vivaient et ils ne faisaient pas forcément ce que moi je voulais, mais ce qu'eux voulaient. Et ça a donné une vie au roman extraordinaire, ça vibrait. Et j'avais l'impression de l'écrire trop vite. C'est un roman que j'écris assez vite. Comment est-ce que vous vous organisez lors de l'écriture d'un roman, pas forcément celui-là, mais en général Dans tous mes romans, j'écris d'abord la fin en général. Alors, pour le club, j'avais vraiment fait un plan avec un... Je savais exactement tout. Plus j'aime bien dans mes romans qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait des coups de théâtre, de surprendre le lecteur. J'ai commencé par faire du polar. J'aime bien le roman coupé rue, c'est-à-dire on découvre à chaque fois, c'est jamais ce qu'on pense, c'est toujours autre chose. Donc j'ai le roman en tête dès le départ, et après je cherche vraiment le point d'Archimède, c'est-à-dire qu'il y a chaque personnage a un point, en m'appuyant dessus, il bouge. Et il me fait gagner. Donc je cherche toujours le point d'Archimède des personnages en sachant que ce qui m'intéresse, c'est ce qui relève de l'émotion. C'est-à-dire que quand ça passe par l'émotion,
on le retient toujours. C'est faux. Je ne cherche pas quelque chose de cérébral, d'intellectuel, mais quelque chose qui passe par l'émotion. Et quand je trouve ce point d'émotion des personnages, je sais que j'ai un être humain dont je vais pouvoir parler. Et c'est pour ça que je dis tout le temps que j'écris des autobiographies fictives. C'est un travail vraiment tous les jours, vous écrivez Tous les jours. Et j'y pense tout le temps, j'ai un petit carnet sur cette nuit, j'avais un truc, hop, je note un truc. J'y pense tout le temps, je suis en dédicace, je note. Enfin, l'esprit continue à tourner. L'inspiration vient de partout. Oui, tout le temps. En parlant d'écriture, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Est-ce que vous avez déjà un roman, une idée en fait? Alors, je ne sais pas trop si je vais faire la suite de celui-là. J'ai sorti deux romans à un an d'intervalle. Oui, c'était assez. C'est quand même. Fatigue physique, enfin jamais, mais c'est très physique l'écriture d'un roman. Donc en plus, je me fatigue peut-être plus qu'avant. Donc je vais prendre un peu plus de temps pour moi, pour travailler, pour réfléchir. Donc 2 ou 3 ans pour travailler. Je ne sais pas comment fait Amélie Nothomb pour faire ça depuis 26 ans. Elle a une santé de fer et une volonté de fer. Nous étions rencontrés en décembre 2016 chez Alma Michel lors d'une rencontre auteur et booktubeur. Et je voulais savoir justement ce que vous pensez de cette communauté qui est booktube et si vous regardiez des booktubeurs. Alors, j'en regarde plusieurs. Pas tout le temps parce que c'est le temps qui me manque. C'est chronophage entre tous les réseaux, etc. Et donc, mais oui, il y en a que je suis, Cédric, deux, trois autres, qui m'intéressent parce que la manière dont ils le racontent. Et je trouve ça justement très joyeux. C'est pas une forme compassée, posée. Et ce que j'aime justement dans ça, c'est ça donne envie. De donner l'envie, et il y a plusieurs fois j'ai acheté des livres, ça m'a donné envie de lire des livres. Une proximité, on a l'impression d'être, c'est une sorte de famille. Un ami qui conseille. Oui, un ami qu'on a. Alors c'est vrai qu'après on peut échanger, communiquer ensemble. Bon. Merci Jean-Michel Guénassiat de nous avoir Arthur. Accepté l'invitation, et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et à très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je suis encore désolé pour la qualité du son, la qualité de l'image, c'est vraiment pas terrible, mais c'est ma toute première interview, j'espère vraiment que ça vous aura quand même bien plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, on approche de plus en plus des 4000 abonnés, et c'est totalement dingue, merci beaucoup, je vous retrouve très bientôt, bye.